Eh bien, salut à tous les amis, c'est Jason, j'espère que vous allez bien. Du coup, on est de retour sur Resident Evil 7 et vous vous demandez peut-être où je suis. Donc, en fait, j'ai dû recommencer le piège de Lucas. Et donc, il fallait bien passer derrière ce mur qu'on avait fait exploser avec la dynamite. Enfin, que Lucas nous a envoyé en du haut. Et donc, on arrive dans cette zone ici. Et on a des caméras avec Mia qui est juste là. On va vérifier ça après. Je vais juste le sauvegarder ici. Donc, voilà, on va pouvoir retrouver Mia et Zoé, du coup, qu'ils ont l'air juste en bas. Donc, on peut partir ici. Et donc on a la tête de série D. C'est moche. Ok, donc du coup là on est censé avoir tous les ingrédients. On va déjà regarder un peu ce qui se passe là. Mia? 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 Qui es-tu? Où êtes-vous? On est au bout de la jetée, à l'extérieur de cette pièce. Oh. Oh alors? Ethan, qu'est-ce que tu veux? T'as... mort? Le moment est pas encore venu. Pas encore. Quelle chance! Écoute, à moins que t'aies d'autres surprises dans ta vie, je te conseille... Oh, oh, oh. Ce serait très con de la fin, Ethan. Et je déteste les spoilers. Ton connard. Ok. Bon, bah du coup on est reparti pour... Ok, donc regardez la tête de série D du coup. Enfin, quoi que je peux le mettre dans le... Ouais, on va le mettre dans le coffre, je n'ai pas trop besoin maintenant. Qu'est-ce que Rion, j'en ai pas besoin. Enfin, je pense qu'on va tout laisser ici, hein, la clé Corbeau aussi. Ouais, c'est... Oh. Où est-ce qu'on est là? Ah oui, on est ressorti par le... Ah non. Alors, je n'ai rien dit. Et j'ai pas la manivelle. Ok. Il fallait prendre la manivelle. Bah bien sûr, hein. Bah oui, il faut prendre la manivelle. Putain. J'ai un peu dégoûté là. Voilà, hop, ça a été vite. Mais voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle des Monsieur Everywhere. Mister Everywhere. Dans un magnifique accent anglais. Il y avait des cartouches juste là. Qui nous permettent de débloquer un trophée juste à la fin si on les trouve tous. En l'occurrence, je ne crois pas que je les ai tous, mais... Non, on va vérifier dans les stades, on va voir un peu Mister Every. J'en ai 9 sur 20. Donc voilà, et 11 sur 18 pièces antiques. Ah, ça commence à monter. On a 7h20 de jeu pour ceux qui veulent savoir, donc voilà. Par contre, on recherche le pistolet et on va mettre la manivelle du coup. On est parti. Et tu la récupères, ok. Ouais. J'arrive Mia. J'arrive Mia, ouais, mais moi je veux pas avoir Mia en fait. Quelqu'un là-bas avec une lanterne. Ouh, c'est Lucas ça, non? Ah, je crois qu'on a Lucas qui nous attend bien sagement là-bas. Quand je lui remets une balle entre les deux yeux, il rigolera plus le petit Lucas, quoique. C'est pas Lucas ça, c'est un truc avec une... Quoique, enfin je sais pas, je vois pas en fait. On dirait quelqu'un, sans être quelqu'un. Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop. J'entends un Mr. Everywhere. Il est là, Mr. Everywhere. Ah, de là, on dirait qu'il y a une silhouette. Attendez, on va se... Qu'est-ce que c'est que ça? Encore une manivelle, bah, ouf. J'ai bien fait de pas faire demi-tour et de la remettre dans le coffre. Voilà, attendez, parce que là-bas on dirait qu'il y a quelqu'un, non? Ou alors c'est juste un... Non, je sais pas. On dirait qu'il y a quelqu'un juste en face, mais... Après, je peux me tromper, hein. Ah, je pensais que tu récupérais pas la manivelle. Ouais, faut faire tout le tour, en fait. D'accord, bah oui. Putain, c'est quoi ça? Oh non, encore toi! Ok. Boum! Ah! Il y a un résistant de l'armée. Salaud! C'est bon! Bon, y en a d'autres ou pas? Ouais, apparemment, je crois qu'il y en a d'autres. Ok, alors, vous savez quoi? On va piquer un sprint. Oh, il y en a d'autres qui arrivent. Ok, ils arrivent en masse de l'autre côté. Ok. Ça me rappelle étrangement Resident Evil 4 et 5.
Casse-toi. Ils vont tous répliquer ou pas? Comment ça se passe là? Ferme ça, ferme ça, ferme ça. Ouh, on arrive dans une pièce safe, ok. Dans toutes les munitions qu'on a gagnées, ben au revoir les munitions. Donc ils sont quand même gentils, ils nous donnent des munitions de pistolet, mais quand même. Ah, on a une plante. On a une plante, on va pouvoir se refaire un kit de soins, même si on en a. Ah, voilà, cartouche de fusil, ok. Un cartouche de fusil, c'est parfait. Des psychostimulants, on s'en fiche un peu. La poudre à canon, ok. Que je combine avec tout et n'importe quoi, j'ai un succès après. Donc on verra bien un peu ce que ça donne plus tard. Peut-être que je l'aurai pas dans cette session de jeu, mais voilà. Du coup, je vais prendre le pistolet. Ah. Ok. Mia, est-ce que je peux te tirer dans la tête maintenant, dans l'immédiat ou pas du tout? Je sens le coup de deux infectés qui vont me sauter dessus. Je suis pas trop à l'aise. Non, non, t'approches pas de Mia. Et du coup, on a Zoé, c'est ça? Zoé. Pas maintenant. On n'a pas le temps. Est-ce que tu as les ingrédients? Dépêche-toi de me donner les ingrédients du sérum. Oh, oh, elle va se calmer, la demoiselle, là. Dépêche-toi de me donner les ingrédients du sérum. Oui, ben ça va, hein, on a pigé. Ça suffira, non? Si on les fabrique assez vite. Mon père et Lucas ne sont pas loin. Il arrive. Papa arrive. Bien. What? Il y en a assez pour deux. Comment ça, papa arrive? Il est pas mort? Enfin, en tout cas, je m'en doutais un petit peu. Il y a un bateau dehors. On traversera le marais avec. Mais aucun de nous n'ira loin sans le sérum. Ah, dépêche-toi au lieu de papoter, vas-y. Hé, hey, y'en a un pour moi. What, c'est quoi ce truc? What, c'est quoi ce truc? What, c'est quoi ce truc de fou? Ah ouais, Jack, ok, Jack. Aïe, yo. Ok, bon, donc, j'imagine que... Il va taper. Et je suis mort. Bah, il m'a mis deux coups, vous rigolez, quoi. Allez, on est reparti pour un tour. Bah, du coup, les yeux rouges, en fait, ça change pas des autres. On va essayer de bloquer son attaque. Voilà, parfait. Bah, du coup, on peut descendre ici. Voilà, hop, déjà un œil de foutu. Ok, lui normalement il va devoir remonter. T'as bien lourd, Jack. T'as raison, mon petit Jackie. Allez, hop là. Allez, vas-y, remonte, petit Jack. Je t'attends, mon petit. Aïe, t'as fait mal, Jack. Ouf, je m'ai raté. Voilà, hop, déjà un autre œil de mal. Pour l'instant, ça va, on se débrouille plutôt bien. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Du coup, on va se dépêcher d'aller casser la petite caisse ici. C'est parfait. Hop, ramasse tout ce qu'il y a ici. Pistolet. Allez, s'il te plaît, Ethan, vite ton œil. Parfait. Plus beaucoup de balles, hein. Plus beaucoup de balles, hélas, mais ça va. Il y a encore les fusils à pompe. Donc. Niveau santé, j'en suis où? Oula, critique quand même. Ok, on va se soigner.
Il y a un truc bleu sur lui là. Regardez. Ou alors c'est sa couleur de peau. On dirait qu'il y a un truc dans en lui. I want to... Okay. Salut. Ah oui, tu me chopes quand même à l'échelle, ok. Mais allez, j'ai pas eu le temps de partir. Enfin, salaud. Allez. Qui veut pas. Ouf, ok. Lui, il est bon. Olé. Combustible. Why not le combustible. Mais moi, je vais retourner là-haut. Il est vénère, le Jack. Il est vénère, le Jack. Mais ça va. On gère. Enfin, on gère. Bon. On est quand même un petit peu critique. Hein. Il reste deux soins. Ça va. Quoique, ça laisserait un peu de temps. Un lance-grenade artisanale qui peut cuire des... Ouais, non, mais... Attends. Oula, j'ai failli. Je t'ai vu venir, hein. Je t'ai vu venir, mon pote, mais... D'accord, j'ai repéré l'œil, ok. J'ai repéré l'œil. T'es moche, par contre, s'il te plaît. J'ai repéré... Est-ce qu'il est ton œil? J'avais vu. T'as reculé pour rien. Non, il est là. Ah. Il en reste d'autres apparemment. Oui, il y en a un là-haut. Ok, hop. Ah non, vas-y. Il y en a deux encore. Deux ou trois, je sais pas. Alors ça, je déteste les voix comme ça. Ah, le petit bug. Où est-ce qu'elle est l'échelle? L'échelle, elle est là-bas. Tu peux toujours essayer. J'ai failli par contre. Il y a moyen de te choper, non? On voudrait bien essayer de t'avoir, mais tu grossis, non? Le truc il grossit quoi. Enfin, je crois en tout cas. Merde. Allez. Et Jack qui recharge. Enfin Ethan qui recharge 2 heures après. Et allez. Laisse-moi avoir ton oeil ici. S'il te plaît. Oh, il y en a un autre là, il y en a un autre là. Allez. Moyen de le choper celui-là. Oui, parfait. Mais il grossit, tu vois que j'ai vu ses yeux ou quoi? Comment ça se passe? Allez, on a encore un ici. T'as pas envie de descendre? Allez, Jack. Voilà, c'est bien. Maintenant, je m'occupe de ce qui reste de toi. Aïe. Tout va bien. C'était prévisible, hein. Allez, recharge, 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 recharge.
Ah oui, on est limité en fait. Okay. C'est bon ou pas? Je crois que j'ai tout vu. Ouais, ça m'étonnerait qu'il soit déjà mort. Hein. C'est un peu trop rapide. Du coup, oh, ben, je pense qu'on l'a eu. Enfin. Oh, purisme. Par ici. Ah ah ah. C'était prévisible. Utilise le sérum sur lui. Je guéris. Est-ce que ça va? Ouais. Allez, viens, Mia nous attend. Ouais, je crois que tu viens de liquider un sérum. Ouais, je m'assure qu'il est bien mort. Ok, bon, ben combat assez assez facile quand on essaie de. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai dû en utiliser un. Il n'en reste plus qu'un. Il y en a plus qu'un. Dis-moi que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh non. J'ai un choix à faire. J'ai un choix à faire, ok. Soigner Mia, soigner Zoé. Ok, dans l'absolu, je vais... De toute façon, j'ai une sauvegarde, je crois. Je vais regarder un peu dans les... Non, j'ai une sauvegarde. On va tenter de soigner Mia et on reviendra par la suite de soigner Zoé. On va essayer. Bah, tout... Bon. C'était idiot de penser que je pourrais m'échapper. Mais Zoé, partez. Partez tous les deux. Est-ce que j'ai fait un bon choix? Viens ou pas? Je suis sûre que quelqu'un peut t'aider. C'est chez moi. Apparemment, ma place est ici. J'enverrai de l'aide. Pas la peine. Il n'y aura plus personne à secourir. J'ai pas trop envie de... De toute façon, on reviendra après. Mais après, j'ai pas confiance en Mia non plus, en fait, donc... Où est-ce qu'elle est? Et quoi, c'est la fin du jeu ou comment ça se passe? En fait, je fais pas confiance à Mia, non, donc... Je te fais pas confiance. Qui d'autre aurais-je pu choisir? Ethan. Mia, je sais ce que tu as enduré. Mais il faut qu'on parle. Tu as quelque chose à voir avec tout ça, hein? Écoute, je veux juste la vérité. Ethan, je te jure que je ne me souviens pas. Essaie. Putain, j'ai eu peur. Qu'est-ce que c'était? Bon, du coup, ça, c'est la dernière zone du jeu. Voilà, c'est le bateau. Voilà, donc je savais qu'il y avait le bateau, mais je me suis pas spoil, donc voilà. Enfin, je me suis pas spoil du tout le jeu, donc... Oh. Ah oui, donc on joue Mia.
Ok, on joue Mia et on n'ira pas plus loin dans cet épisode, on va s'arrêter là. Voilà, ok, bon, de toute façon, dans le pire des cas, je rechargerai la partie jusqu'au boss de Jack et on verra un peu la fin différente parce que de toute façon, il y a deux succès, à savoir accéder à la première fin et accéder à la deuxième fin. Donc j'imagine que quand on sauve Mia, on a accès à une certaine fin et puis Zoé, donc on le fera aussi. Bon, de toute façon, on n'est pas encore au stade d'avoir fini le jeu, on est à 7h46, je pense qu'on se rapproche quand même de plus en plus à la fin du jeu. Maintenant voilà, donc on va contrôler Mia dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. J'ai un petit peu moins galéré avec le boss de Jack, même si je suis mort quand même une fois. Mais quand on commence à avoir un petit peu le pattern du boss, on commence un petit peu à s'en tirer facilement. Maintenant voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez pour ne pas manquer les prochains épisodes. Puis quant à moi, je vous retrouve très très vite pour la suite et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!